Wonderful. So just say, just, okay. Yeah, what you feel. And yeah, well, really happy. My horse was fantastic today. He performed really well here last year when he also won, but it was only his second ever derby last year. Now he did. Okay. Alors, elle est absolument enchantée parce que Rembrandt, qui a déjà gagné l'année dernière, s'est comporté de manière formidable. Mais l'année dernière, c'était seulement son second derby. And now he did, maybe still only, this is his fourth time, but he really enjoys the okay. moment and the course, and he really, he comes alive. Et il prend vie quand il y a un derby, même si c'est peut-être que le quatrième qu'elle fait, mais il adore ça, visiblement. Also for me, I don't do okay. many derbies. Elle adore ça aussi. This is why I'm so tired at the end. No, but I brought him here for this class, specifically. I hoped he would be the same like last year, and he was probably better. You know, he really knew what he was doing, and he put on a great performance. And I was lucky. Okay, there was only two clear rounds in the end. Julien was really close, so but it worked out good in the end. Donc elle l'a emmené uniquement pour faire cette épreuve-là, et elle espérait bien que ça allait bien se passer. Hein? Voilà. You didn't do any other class. No. Elle n'a fait aucune autre épreuve que le derby. Now he can sleep again. Yeah, oui, maintenant il peut aller dormir à nouveau. Okay. Thank you. And did you write eventing before? No, never. No, never? No, no. Maybe as a child, some small okay. events, but yeah, so this is for me also quite new. Okay. Donc il n'est jamais monté un concours complet avant, c'est assez nouveau de faire des derbies comme ça. Okay. D'autres questions? Do you expect this result today at the end? No, I mean, you like to think that it will work like that, but it's a very difficult course, a very long course, so you know there's going to be a few faults around the way, but only two clean rounds, so yeah, it worked out better than I thought actually. So. Donc on lui a demandé si elle s'attendait à ce résultat-là, et elle a dit très bien. Elle ne s'attendait pas à ce résultat, évidemment, parce que le parcours était assez dur, assez long, mais je suis pas sûre. Mais you were hoping to win. Yeah. Okay. Donc elle espérait quand même gagner. Will you be back in Dinard for the derby next year? I hope so. I hope so. Elle sera sans doute de retour l'année prochaine avec with the same horse. Maybe, but I enjoy this, so hopefully with some horse. Yeah. What does he do when he doesn't do derbies? Oh no, he does everything. He's a okay. real yeah. He jumps speed classes, bigger classes. He jumps everything. He's okay. an all-round show jumper. Okay. Donc c'est un cheval qui fait un peu tous les types d'épreuves. Est-ce que vous avez encore des questions à poser ou... Non. Quelqu'un a d'autres questions à poser à Laura Renoui? Non. Monsieur Luca Maria Brunet. Alors, vos impressions. Bonsoir. Je suis très très content. Ça, c'est nouveau pour Neptune. J'ai choisi de faire le derby seulement cette année avec. Il est mon cheval qui a fait les championnats et tous les bons épreuves. Et j'ai essayé de faire le premier derby à la Bolle. Après, j'ai fait le derby à Exter et à Fastenbourg. Et ça, c'est le quatrième derby. Et je suis très content pourquoi il a très bien compris. Il est toujours un peu chaud, un peu spécial, mais. Il s'amuse beaucoup de faire ça. Et pour moi, c'est un très grand cadeau qu'il a tout fait avec moi, il a tout donné. Très bonne la relation que nous avons ensemble. Et pour il moi, a 15 ans. Hein. 15 ans, oui. Et je suis encore plus content pour voir les Français. Il a presque gagné. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu aller un peu plus vite ou pas? Je sais que les derbys, c'est très difficile. Oui. C'est très difficile de faire sans faute. J'ai un cheval très très vite, pour qu'on ait tout, il peut être très très vite, mais malheureusement, quand il court, c'est très facile de faire la faute. Ah oui. Alors je dis, je préfère de faire un parcours sans faute, et après de rester à voir les autres. Et ok, là, il est plus vite, mais la deuxième, c'est déjà un grand bel résultat. Si je cours, je sais que c'est assez difficile de faire ça. Est-ce que c'est le meilleur résultat que vous avez eu avec, enfin en derby, vous avez gagné déjà ou... Non. J'ai fait des fois deuxième avec Jésus de la Commune, mais okay. j'ai jamais gagné un derby, alors c'est le meilleur résultat. Okay.
tu gagnes l'année prochaine. J'espère. Et pourquoi vous aimez les chevaux français? Pourquoi? Il a beaucoup de caractère. Oui. Il a beaucoup de volonté. Il est très spécial. Et pourquoi je monte un peu différent. Et j'aime les chevaux qu'il m'a amené, qu'il veut faire, qu'il a son façon d'interpréter un peu. J'aime pas trop les chevaux qui dit ok, je t'écoute, je fais tout ce que tu veux. Je préfère avoir un cheval qui fait un peu la guerre avec moi. Pour moi, c'est plus facile. D'accord. L'esprit latin. Oui, oui, oui. Et Neptune, pour ça, il est. Il a beaucoup, un peu trop d'esprit. De femme. C'est magnifique. D'accord. D'autres questions? Tu veux passer la. Excusez-moi. Alors, le meilleur tricolore. Alors, impression. Moi, je suis très content de Shérif. Il a vraiment bien sauté, il s'est bien donné. Il commence à avoir un peu d'expérience en derby maintenant. Il l'avait fait l'an dernier, je crois qu'il était sixième l'an dernier. J'ai pensé un petit peu au chrono, c'est ce que disait Lucas tout à l'heure. Quand on prend un peu le risque du chrono, ben, en fin de parcours, on paye un petit peu ça. C'est vrai qu'après l'Auxerre au fond, le numéro 19, j'ai senti que le cheval baissait un petit peu de pied. Maintenant, je ne savais pas trop au niveau du chrono par rapport à Laura. Je n'avais pas vu son parcours où j'en étais, si j'avais un peu d'avance ou pas. Et j'aurais peut-être dû à ce moment-là reconstruire un petit peu pour soigner un peu plus les deux derniers. Je n'avais pas vraiment de repère. Non, mais je suis très content du cheval. Évidemment, j'aurais préféré éviter cette petite faute. Mais si on m'avait dit de signer pour une troisième place avant de partir, je l'aurais fait. Non, le cheval vraiment a pris de l'expérience dans ce genre d'épreuve. On commence à en avoir pas mal maintenant en France. Enfin, en France et à l'étranger, on a quand même 3-4 derbies par année à sauter. Donc c'est sympa d'avoir un cheval de derby. C'est des épreuves que j'adore monter. Non, je suis très content du résultat aujourd'hui. Et lui-même, on avait fait beaucoup déjà du derby? Ben, il avait fait ici l'an dernier, il a fait la boule, il avait gagné celui du Touquet. Je crois que c'est tout. C'est un cheval qui est super brave dans sa tête et qui a envie d'aller. Donc. C'est un peu pour ça que je l'ai mis dans le genre des fois. Alors j'ai une autre question. Est-ce que, even for you, is it really more tiring to do a derby like, you know, than another course for a yeah. horse? Oui, you can feel. Yeah, maybe more. It's a lot, and I think with the different okay. obstacles, it's a completely different feeling. But okay. and the length is the thing. Yeah. So yeah. 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 1,006 yeah. and 60 meters. Mm. Yeah. 29 effort. Yeah. It's a lot. Yeah. It's a lot. No. Vous avez d'autres questions? Si vous deviez juger le derby Dinard par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, sa difficulté? Ah, je pense qu'aujourd'hui en France, c'est le plus difficile. On n'arrive pas très loin des derbies comme Hambourg ou Ixtel. On est encore un tout petit peu, peut-être un petit cran en dessous. C'est vraiment des très gros. J'ai eu la chance de monter à Hambourg, mais jamais Ixtel. J'en ai beaucoup entendu parler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui en France, c'est quand même le derby le plus difficile qu'on ait. Ouais. C'est un vrai derby en fait. C'est un vrai derby, voilà. Ouais. Celui de la Baule, on peut presque le monter quand même avec un cheval de vitesse de 145 si le cheval est brave. Là, on a quand même besoin d'un cheval qui soit capable de sauter des épreuves à 150. Et puis en même temps qu'il y a une très bonne tête pour aller jusqu'au bout et avec une très bonne condition, il faut vraiment tenir la distance tout en ayant quand même une bonne hauteur d'obstacle. On a vu que le guet était quand même particulièrement faisait beaucoup de fautes, fait de nombreuses fautes. Pour les chevaux, ça reste une épreuve comme pour les cavaliers? Bah, disons que nous on n'en saute pratiquement jamais des guets, enfin on rentre jamais dans un guet. C'est vrai que pour le concours complet ou quelque chose comme ça, c'est vraiment quelque chose d'anodin. Les chevaux sont très habitués. Nous, on leur apprend à ne pas toucher l'eau, à sauter les rivières, et d'un coup d'un seul, du jour au lendemain, on leur demande de mettre les pieds dans l'eau. Donc c'est un petit peu compliqué pour eux d'en sauter une fois par mois, ça deviendrait un obstacle normal. Mais on en saute un à la Baule, et puis ici, au Touquet aussi. Maintenant, ce n'est pas toujours les mêmes chevaux qui font ce genre d'épreuve. Et la première fois, un cheval qui n'est jamais rentré dans le guet, c'est pratiquement impossible qu'il y aille, même un cheval très franc, qu'il y aille du premier coup, c'est très long. Do you have any particular preparation for the horse, considering the fence is like very different
and it's very long. Étant donné que la database comme type différent, que les parcours sont longs et que les obstacles sont différents, est-ce que vous mettez une relation particulière pour ce type d'épreuve? Moi non, je veux pas de un cheval en bonne condition, un bon moral et qui en a déjà fait. Parce qu'à la maison, travailler ça, c'est il n'y a pas vraiment grand chose. Déjà, j'ai pas l'infrastructure pour. J'ai une carrière et voilà. Yeah. Donc non, c'est plus en faisant qu'ils apprennent. I think the horses are fit anyway from the competition they do, and if they've been in this environment, they derbies before, then you don't need to make so much preparation. You just hope for the best. Donc Laura est d'accord, il n'y a pas de préparation spéciale, du moment que le cheval est en bonne condition physique, il est capable de le faire sans problème. If they're brave, like you say, then oui. Normally it's... Pour moi, c'est un peu différent, pourquoi? J'aime faire ça avec tous les chevaux de concours. Ah, ok. Alors, je monte tous les chevaux de concours avec des choses comme ça, des sommes naturelles. Je crois que c'est bien pour les chevaux de concours aussi de faire tout ça. D'accord. Alors, pour moi, tout mon cheval, il a l'habitude d'aller vélo, de faire des choses un peu spéciales. Je crois que c'est bien pour la tête des chevaux de concours aussi, de changer un peu, de faire des montées. Et pour l'équilibre aussi, la condition? Oui, 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 partout. Voilà. J'aime beaucoup de préparer les chevaux, mais à l'extérieur, le concours complet. Oui. Plus que le concours. D'accord. Mais pas de faire le concours complet, j'ai pas de courage pour faire ça. Vous avez dit que vous cherchiez un cheval français, hein? Vous l'avez dit à tout le monde? Ah oui, oui, j'aime le cheval. Laura, please, and tomorrow for the Grand Prix. Yep. Une chance. Yeah, yeah. Bintang, I ride the horse yesterday, which won, and he feels like on really good form. So, with some luck, then we'll be trying. Okay, two first place until one more. Yeah, it would be nice. Nice. Yeah. Vous avez d'autres questions?